Florient, il est fort. Je remercie Dieu de Papa Florient. Avant de rendre témoignage de Dieu de Papa Florient, il ne sait pas chanter ma voix, mais je vais, comme je suis très contente de la reine, je vais chanter un peu enrobé pour donner à mon papa. Dieu l'a choisi pour travailler pour lui. C'est soigné, Dieu est bon, c'est soigné, c'est soigné, Dieu est bon, c'est soigné. Papa Florient, il a eu soigné, Dieu est bon, c'est soigné, Dieu est bon, c'est soigné, Dieu est bon. Qui est en train de venir chez Papa Florient, même s'il est malade, s'il a des problèmes, il n'a qu'à chanter, danser en venant. Parce que Papa Florient va vous donner Dieu de Papa Florient va vous donner la guérison avant de repartir. Tous les problèmes vont se résoudre avant de repartir. Ça, il est chanté. J'étais malade. Deux fibromes dans mon ventre. Fibromes là. J'ai une tante qui a mis ça dans mon ventre. Parce qu'elle était malade, elle était mariée dans un village voisin. Son mari là, c'est un féticheur. Elle a fait un enfant, son mari là, ils ont fait palabre. Son mari, elle dit, elle ne veut plus le monsieur. Le monsieur là dit, si tu vas là, si tu ne veux plus de moi, si tu veux plus de moi que tu me quittes là, tu ne vas pas te voir au monde. Donc, elle dit, je m'en fous, elle est venue. Depuis ce jour-là, boule qui est dans son ventre, ils ont soigné ça jusqu'à ça n'allait pas. C'est ça, elle est partie chez un féticheur à Le Bosso. Donc, elle est partie là-bas, le féticheur dit que si tu veux ta guérison là, que maladie là, il prend pour donner à quelqu'un, à une fille de chez vous, comme ça pour toi là, ça me manque, pour toi comme ça là, ça a fini. Donc le féticheur lui a donné sacrifice, c'est un poussin. Poussin là, c'est petit comme ça. Elle l'a envoyé en ce temps, je n'étais pas grande comme ça, j'étais petite. Ma maman et mon papa, eux, ils sont partis cultiver à Poipleu. Donc, j'étais restée le grand frère de mon papa et sa femme. Donc, je ne sais pas s'ils ont dit à ma tante là, matin, elle est venue, nous tous, on était en joie. Elle était venue à pousser, elle a gardé pousser là. Matin, mon grand-papa là et sa femme, ils sont partis au champ de défense. Ils nous les dépensaient. Donc, elle a dit allons. Il y a une route, ça passait, où il y a le forêt sacré. Donc, on est parti là-bas. Elle a parlé là-bas, elle a tué Poussin là-bas. Elle a tué. Elle est venue encore, elle a pris ça pour aller dans une rivière sacrée. Elle a parlé là-bas, elle est venue préparer pour me donner, j'ai mangé. J'ai marié, j'ai dit, j'ai envoyé à ma petite soeur. On dit, que c'est pour toi seul. J'ai mangé. Le mariage dit, depuis ce jour-là, Boula est venue dans mon ventre, c'était deux. Mais si on veut m'opérer, on ne voit pas Boula. Si on veut m'opérer, le docteur dit qu'il ne voit pas Boula. Donc mon ventre était comme ça. C'est ça, je suis venue à Abidjan. Depuis à mon enfance, je suis venue à Abidjan. Hier là. Ça fait 2 ans. C'est ça, j'ai eu une belle sœur. Elle dit que tu as quoi? Et puis j'ai expliqué. Elle dit que il y a un homme de Dieu, on l'appelle Papa Florient. Sang de Jésus que j'ai enlevé là-bas, là, c'est petit comme ça. C'est petit qui me reste, que je vais te donner. Tu vas la paix, tu vas te puriger, il y a petit aussi, tu vas te puriger à ça. Je me suis purigée, il y a la paix. La nuit, quand je dormais, il y a un monsieur, grand de taille, noir, il est venu, il est assis en bas de mes pieds. Il priait seulement pour cela. Et que j'ai vu, j'ai mangé là. C'est sorti dans mon ventre. C'est ça, le matin, j'ai dit à ma fille, j'ai dit, voici le rêve que j'ai fait la nuit. Elle dit, hé maman, alléluia, peut-être c'est pour ça que tu as mangé et puis tu nous as dit là. C'est ça qui est quitté dans ton ventre. C'est ça, j'ai suivi ma belle là. J'ai dit, où se trouve Papa Florient là? Que je vais aller le voir. Et puis elle m'a accompagnée ici. Elle m'a accompagnée. J'ai payé. Pour ça, elle est sortie donc. Ah, ma maladie a duré 6 mois. Je ne sais pas que cette maladie qui est sortie là. J'ai dit pour ça, il m'a allé le voir. Vraiment. Puis je suis venue chez lui. Il m'a donné sang de Jésus. Ce que j'ai me purigé avec, je me suis répartie. Je suis répartie, je me suis purigée là. On dirait même que j'ai gâté à faire. J'ai dit, il a mouru en quoi ou bien en quoi? Tout ça est quitté dans mon ventre encore, puis j'ai mouru. Donc je pleurais. Il y a ce fibrome là qui quittait dans mon ventre. Donc je suis partie à l'hôpital. Quand je pleurais là, ma fille m'a amenée à l'hôpital. On m'a amenée là-bas. On dit que c'est 2 fibromes qui sont dans ton ventre, que c'est ça qui fait. Je me suis revenue. J'ai commencé à utiliser. Fibromes qu'on ne voyait pas là, ça dans mon ventre, mais on ne voyait pas. Si on regarde dans mon ventre, pour opérer, on dit que c'est la fumée seulement, ils voient. Donc, ça a transformé à fibromes maintenant. Ils ont vu. Je suis revenue, ils ont continué. C'est fini, je suis venue. Après, je me réduis pour faire au corps. Et puis ils ont mis fibrome dans ton cas, il n'y a rien dans ton ventre. Depuis ce jour-là, il n'y a pas quelque chose qui tourne dans mon ventre maintenant. Je n'ai plus mot de femme. C'est ça que je remercie mon Papa Florient. Je remercie. Amen. Our mommy having 2 fibromes in the stomach, but by only using divine. C'est juste le Papa Florient, je suis venu, et puis j'ai quand même ma guérison.